Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gameony. Merci de nous rejoindre, merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter ou à nous suivre sur notre site internet. On est avec vous. Vous êtes quatre maintenant. On est... Oui, ils sont autour de la table. On est avec vous jusqu'à 22h pour parler de jeux vidéo et de culture geek. Vous nous rejoignez donc en direct tous les lundis ou en podcast sur notre site de gameonitron.fr. Vous avez le programme des émissions à venir, tout ça, sur Facebook, sur Twitter pour communiquer avec nous, pour nous insulter. D'ailleurs, je salue, je me rappelle plus de son pseudo, mais de la personne, il a parlé sur notre émission de Project Mirai et tout ça. Donc il y a bien un mode super hard dans Project Mirai, le jeu dont on vous a parlé la semaine dernière. On pensait que ça s'arrêtait que au hard, mais du coup, il y avait un truc super hard avec Project Mirai. Donc merci à toi de ta précision. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Hein, d'ailleurs, tous ceux qui peuvent nous écouter, merci de nous laisser un petit peu de temps. Alors, ce soir, ça va être n'importe quoi. On va revenir sur les actus de l'été. On va revenir. Donc, il y aura plein de trucs ce soir, je vous le dis. On revient sur les actus de l'été. Il y aura des tests flash. Il y aura du chiffre de la semaine également. Il y aura du Tokyo Game Show. Il y aura des coups de gueule, des coups de cœur, il y aura des sujets, il y aura des débats, il y aura un peu de tout. Bref, c'est un peu l'émission fourre-tout ce soir. Voilà, on revient sur ce qui s'est passé depuis cet été, en gros depuis qu'on a arrêté la deuxième saison, jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde va réagir hein, autour de la table. D'ailleurs, on a Nicolas, notre invertébré, salut. Ça va bien ? Ça va, oui. Bon, super, on a notre régisseur, hein, Pierre-Marie, toujours fidèle au poste. Bonsoir. On a notre premier invité qui passera et nous parlera de Act of Aggression, l'acte d'agression. C'est Marc. Bonsoir. Salut, ça va ? Ça va. Notre invité. On a un deuxième invité qui arrive là en guest. Voilà, il nous écoute de temps en temps. Il nous fait plaisir. Oui, de temps en temps. Hein, et puis, il parlera également de Act of Aggression. Antoine, salut Antoine. Salut tout le monde. Moi, je vais vous agresser un peu. Hein, je vais être tranquille. Mais... Et t'hésites pas à réagir évidemment si un sujet sur lequel tu veux réagir ou si t'avais une vanne à dire parce que je te connais, mon petit saloupio. Donc voilà. N'hésite pas à rire si on est drôle, comme pas maintenant. Par exemple. Allez, c'est le moment de lancer la 85e émission de Gameonitron. Allez, on va lancer notre premier sujet. Notre premier sujet où on va enfiler nos slips de bain, se mettre torse nu, aller à la plage, revenir comme si on était là cet été. Ouais, tout à fait. Il fait chaud, il fait beau. Les filles sont à moitié dénudées, les hommes aussi. Bref, il y a du poil, etc. Tu nous vends du rêve, là. Il y a des combis de plongée. Bref, ça sent le sable chaud. C'est le retour sur l'été. Ah là là, moi, franchement, regarde ta Melibou, à chaque fois, pour moi, ça me fait penser à l'été. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois, je vois des mecs moitié torse nu. T'as beaucoup été à la plage étant jeune ? Oui, à Clermont-Plage. Pourquoi des mecs torse nu ? Je sais pas, des filles torse nu. C'est très bien, les mecs torse nu. C'est très sexy, ah bon. On aime de tout. Il faut de tout. Non mais c'est vrai, non mais moi quand il fait beau, quand il fait chaud le matin, je me lève, je mets la musique de Alerte à Malibu et je cours à ralenti dans mon appart et je vais sauver mon chat de la noyade que j'ai moi-même orchestré. Non, c'est moi j'adore. Alors, retour sur ce qui s'est passé cet été les enfants parce que il fait moins de 10 degrés dehors là, donc on va se redonner un petit peu chaud. Allez. Alors le premier truc dont on va parler, c'est la grande, enfin une des stars quand même de cet été en jeu vidéo, ça a été Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, de façon indéniable. Et il y a quand même c'est une anecdote, enfin c'est plutôt anecdotique, mais je trouvais que c'était quand même un truc à souligner parce que je trouvais que si c'est vrai, en tout cas c'est une idée que je trouve géniale. Je voulais absolument
en parler et savoir aussi ce que vous en pensez autour de la table. Donc MGS5 est aussi sorti sur PC, et disons qu'il y a un joueur qui a trouvé en fouillant, c'est pour ça que j'aime pas le PC, mais bref, c'est un joueur qui a trouvé en fouillant dans les données du jeu une cinématique. Alors tout ce que je veux dire, ça reste au conditionnel, mais une cinématique, en fait, il faut savoir que dans le jeu, vous avez une partie en ligne, alors à ne pas confondre avec Metal Gear Online là, qui arrive, mais vous avez une partie online dans Metal Gear Solid 5, où en gros, eh bien, le principe, c'est vous allez infiltrer la base d'un adversaire. Voilà, vous avez votre propre base, hein, rappelez-vous, la Mother Base notamment, et vous avez une Mother Base qui est créée pour le mode en ligne. C'est-à-dire que ça n'affecte pas votre jeu à vous solo. Bref, et n'importe quel joueur peut venir infiltrer et venir dérober vos soldats, votre équipement, tout ça, et vous pouvez aussi vous doter, si je ne dis pas de bêtises, d'une arme nucléaire qui va donner de l'enjeu véritablement aux joueurs qui vous infiltrent, mais aussi à vous qui vous faites infiltrer. Parce que si vous êtes en train de jouer à ce moment-là, vous êtes averti par un petit message genre « Ah, il y a votre base qui se fait attaquer ». Et en fait, grosso modo, si vous arrivez à conserver votre arme nucléaire ou si vous la faites dérober, bah, vous gagnez de l'argent ou des points, une histoire comme ça, bref. Et le fait de voler une arme nucléaire, ça vous donne évidemment beaucoup plus de points. Et en fait, cette cinématique de MGS5, qui est une cinématique donc cachée, qui est une cinématique qui dure 8 à 10 minutes quand même, eh bien en fait, elle se déclencherait seulement et seulement si tous les joueurs du monde entier, c'est-à-dire tous les joueurs qui ont un compte sur Metal Gear Solid 5, eh bien, font disparaître leur arme nucléaire ou les font supprimer. C'est-à-dire que si tous les joueurs du monde entier, eh bien, entre guillemets, s'allient pour se dire, bah tiens, on veut voir cette cinématique, et du coup, on stoppe toutes les armes nucléaires, on les supprime toutes de nos comptes, eh bien, cette cinématique-là, en fait, émergerait sur tous les jeux, en révélant des choses avec Big Boss qui parle avec un autre personnage, etc. Et moi, franchement, mais l'idée, alors, c'est au conditionnel, parce que c'est pas tout à fait sûr que ça soit vraiment comme ça, c'est un truc qui est quasiment invérifiable, parce que je suis pas sûr que les joueurs feront vraiment ça, mais si c'est le cas, c'est génial! Franchement, mais c'est géant de passer, entre guillemets, de la fiction sur de la réalité, parce que c'est ce qu'on aimerait, en fait, dans le monde, c'est que, justement, le nucléaire n'existe plus, que tout le monde décide d'arrêter ça, il n'y aurait plus de menaces. Mais c'est génial. Franchement, j'ai été ébloui par cette idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Alors, c'est du conditionnel, hein, je le dis, je le répète, c'est du conditionnel, mais... Ouais, il n'avait pas espoir, en fait, que cette scène se débloque vraiment parce que les joueurs allaient retirer leur arme nucléaire, mais... Parce qu'elle allait être révélée par ce genre de fait, par un hacker ou par un joueur PC. Je pense que c'est un truc qui est pas possible, parce que comme l'arme nucléaire fait partie du jeu, on se dit... C'est un élément d'amélioration, en fait. Voilà, il faut la garder, tout ça, machin, mais effectivement, c'est une idée qui est logique. C'est ça qui m'a plu dans MGS5, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont logiques, en fait, que vous pouvez faire dans le jeu, je parle de la partie solo, mais là, pour la partie online, c'est vrai que... Moi, je trouve ça époustouflant. C'est vrai que c'est une idée qui montre que MGS5, c'est un jeu militaire qui est anti-militariste. Mais je trouve ça vieux, et ça l'a toujours été. Il y a une autre cinématique cachée où si tout le monde utilise son arme nucléaire, et après, les Terminators... La Terre explose. J'adore. Non, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Nico? Moi, j'ai trouvé ça assez génial, effectivement, le fait de réunir tous les joueurs dans un but commun, c'est-à-dire... détruire leurs armes nucléaires, mais bon, effectivement, l'arme nucléaire sert, en fait, quand on a une arme nucléaire sur sa Mother Base, ça empêche les autres de l'envahir, techniquement, enfin, c'est une arme de dissuasion, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'envahir une Mother Base qui est dotée de l'arme nucléaire, donc du coup, il y en a qui vont sûrement la garder pour ne pas se faire choper leurs armes ou leurs soldats. Il y a moyennement d'importance, que je le répète, c'est par rapport à tout ce que vous récupérez dans le jeu solo, ça n'a aucun rapport, hein. Il faut vraiment récupérer ça et l'utiliser pour cette partie. Mother Base qu'on fait de base dans le jeu solo, personne ne pourra l'envahir, elle sera intouchable. Voilà, c'est vraiment une autre qui est créée indépendamment de vous, que vous pouvez améliorer évidemment, hein, sans problème, mais en soi, bon, il n'y a pas d'intérêt. Je veux juste savoir peut-être l'avis de Pierre-Marie, qui n'es pas un joueur de Metal Gear Solid, tu t'en fous, mais est-ce que l'idée ça te plaît, ou est-ce qu'au contraire tu t'en fous, tu trouves ça débile? Non, je trouve que c'est une bonne idée. Après, effectivement, pour que ça arrive vraiment, il aurait fallu, à mon avis, soit qu'à un moment il fasse un communiqué en disant il va se passer telle chose, ou donner vraiment une raison pour que les joueurs le fassent, parce que sinon, effectivement, si l'arme nucléaire, comme vous dites, ça sert vraiment en multijoueur, les gens ne vont pas spontanément tous l'enlever. Donc finalement, c'est peut-être comme Arc disait, c'est-à-dire ils comptaient sur les hackers. Maintenant, il y a de plus en plus de choses comme ça, voilà, des folies qui à gauche à droite, pour faire des effets d'annonce. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je trouve ça rigolo de faire...
de faire collaborer tous les joueurs ensemble. Ça me fait penser un peu à Nobby Nobby Boy, où le but c'était d'atteindre des planètes de plus en plus lointaines, juste en jouant à un jeu d'arcade, bon, qui moi m'a pas trop plu, mais juste en jouant à un jeu un peu débile, en envoyant des kilomètres sur un énorme chenille qui fait la Terre jusqu'aux autres planètes. Non, mais il y a plein d'idées. C'est vrai que ce Hideo Kojima a vraiment eu plein d'idées. Alors après, réalisable ou non, hein, parce que ça, c'est vrai que c'est difficilement réalisable, même à l'échelle des joueurs. C'est que de la fiction, donc ça peut être fait, parce que ce n'est pas des vraies armes nucléaires, heureusement. Mais pour le coup, c'est vrai que... Voilà, il y a plein d'idées comme ça. C'est vraiment... moi, je trouve... Vraiment, je suis ébloui. Je trouve que c'est vraiment un grand auteur de jeux vidéo. Peut-être que si un jour il fait des films, il y aura une fin secrète du film qui se débloquera que quand il y aura eu un certain nombre de spectateurs qui seront allés voir le film. Oui, et pas que et pas les gens qui ont téléchargé. Ouais, exactement. On vient toujours sur l'été. Et moi, je voudrais quand même parler avec vous du four de Final Fantasy XV. Et ouais, alors je sais que sur Game of Thrones, Final Fantasy, c'est... Oh, alléluia! Mais là, franchement... Parle pour toi. Y a... Connard. Et pour Nico. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai ras-le-bol. C'est vrai que Final Fantasy XV, qui était totalement absent de l'E3 de cette année, devait être présent en bonne et due forme à la Gamescom, hein, qui a eu au mois d'août. Et là, franchement, ils ont raté le coche totalement. Aucune information. Un trailer qui apporte rien en plus de ça. Alors, pour un jeu... Alors, le jeu, en plus de ça, la date de sortie aurait dû être annoncée là, on devrait même déjà le savoir. Sa date de sortie va être annoncée au mois de mars de l'année prochaine. Mais c'est pas possible, mais jeu ne sortira... Ils ont fait une annonce pour annoncer l'annonce de la date de sortie. Non mais voilà, et là franchement, alors moi, vous savez très bien, je suis un énorme fan de Final Fantasy, j'attends toujours FF15, mais là j'en ai marre. Franchement j'en ai marre, faut pas oublier que le jeu, ça va bientôt faire 10 ans, entre guillemets, qu'on l'attend. Alors il y avait Final Fantasy Versus 13... qui a été abandonné. Ils ont récupéré les pièces détachées de Versus 13 et puis ils ont dit bon, on va faire FF15 avec ce qui avait déjà été élaboré, même si Versus 13 et FF15, hormis le héros et quelques trucs, ils n'ont plus vraiment grand-chose à avoir en commun. Mais là, moi, franchement, je vous jure, mais je suis passé à un moment où je dis mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'attendre et d'espérer de voir des choses, parce que c'est vrai qu'avoir un beau trailer ou d'avoir des informations, ça tient en haleine, même si le jeu sort dans un an ou dans deux ans. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout. Moi, franchement, mais j'en ai ras le cul, quoi. Mais vraiment. Et pourtant, je parle d'une licence qui me tient vraiment à cœur. Ah, là, j'en peux plus. Nico. Ouais, moi, ce qui m'a énervé, c'est comme vous le disiez, c'est l'annonce de la date de sortie. C'est-à-dire que, ouais. Au lieu de... En plus, chez Square Enix, ils ont dit qu'ils savaient quand le jeu allait sortir, que la date était... qu'ils avaient déjà planifié la date, que c'est bon. Mais il faut... Bah, en mars 2016, on vous annonce quand il sort. Alors, pour moi, le jeu devrait sortir en mars 2016. Ouais, et pas, surtout, quand Square Enix t'annonce des gros projets comme Dragon Quest XI, comme Final Fantasy VII Remake, on se dit, mais putain, vous pouvez pas finir ce que vous êtes en train de faire et après passer à autre chose. Ça serait déjà bien de finir quand même un jeu qu'on attend depuis déjà très longtemps. Et en plus de ça, il faut pas oublier qu'il y a eu des démos, hein. Il y a eu une démo du jeu cette année qui montre un jeu qui est quand même quasi fini, quoi. Il y a des trucs à revoir, bien évidemment, mais ça montre un jeu très abouti. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce truc. Soit la démo c'est un coup d'esbrouf et c'est vraiment un jeu, la démo ils l'ont vraiment travaillé pour vraiment promouvoir la sortie de FF Type 0, ce que je trouverais vraiment dégueulasse pour le coup, soit franchement ils ont des gros problèmes pour développer un RPG qui est pourtant leur main maîtresse du genre dans leur boîte. Pierre-Marie, toi, FF15? Non, moi je me dis juste qu'il faut qu'ils se dépêchent, parce que s'ils continuent comme ça, Half-Life 3 va sortir avant Final Fantasy XV. C'est clair. C'est un peu le ras-le-bol du moment. FF15, j'en ai un peu marre d'attendre. Marre peut-être. Non, c'était une autre news, mais... Bah vas-y, balance. Y a pas un... Non, même le créateur de Nintendo ou de Mario qui est mort cet été. C'était juste... Tu lis dans mes pensées, toi, t'es bizarre. C'était ma non, prochaine news. J'ai piqué ta feuille, en fait. C'était le décès de Satoru Iwata, un des PDG de Nintendo. C'est une perte pour Nintendo. Et moi, je vous avouerai que... Alors, je connais pas forcément ce qu'a fait la personne, très sincèrement, pour Nintendo. Mais c'est vrai que moi, ça me fait bizarre parce qu'il faisait donc des conférences, donc ce qu'ils appellent les Nintendo Direct, et c'était souvent lui qui présentait. Et en fait, ça va me manquer, parce que ce mec, il me faisait rire. Il était tellement stoïque, tellement droit, il rigolait pas, que en fait, ça en faisait un... À chaque fois, les Nintendo Direct, ça en faisait quelque chose de marrant. Et en fait, de savoir que cet homme est mort d'un cancer,
Bah, franchement, ça m'a fait un peu de peine. Je connais pas, parce que je vais pas dire, oh, j'étais triste, en pleurer. Non, je connais pas ce monsieur-là. Je suis pas un grand fan de ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Mais non, mais rien que pour ça, ça m'a fait de la peine. C'est voilà, c'est une personne qu'on côtoie parce qu'on la voit dans le jeu vidéo, parce qu'on rigole de lui au final. Enfin, moi, je rigolais de lui sur ses conférences. Ça me faisait marrer comment il était. Et je me dis, bon, bah, ça manque et parfois ça fait descendre sur terre. Oui, le jeu vidéo, c'est un loisir, mais c'est quand même tenu par des humains qui font un travail de base. Et même s'ils travaillent sur du jeu vidéo, c'est comme si vous alliez au boulot, je sais pas, faire votre pain, vendre des produits ou je ne sais quoi. Donc, ouais, ça tourne, ouais, Pierre-Marie, peut-être. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu, comment dire, une émotion généralisée. Tout le monde y est allé de son hommage, même ceux qui ne sont pas très Nintendo. Mais en même temps, là, c'est au-delà de ça. C'est juste, c'est dommage. C'est un grand nom de l'industrie en général qui s'éteint. Et c'est vrai que c'est un des plus médiatiques parce que derrière, quand on parle de Xbox ou de la marque PlayStation, on connaît peu finalement de gens qui sont vraiment derrière. Quoi. Ah, en cherchant bien, ici, il y a le concepteur de la première PlayStation, je crois, qui est connu, même si son nom ne me revient pas. Ouais. Mais derrière, c'est les... Comment dire, Nintendo arrive à mettre vraiment très en avant des gens qui sont finalement des décisionnaires. On connaît Satoru Iwata, on connaît aussi le président de Nintendo of America, Reggie, fils aimé, je sais plus si c'était fils aimé ou fils M. Et voilà, et notamment quand il est. Alors je sais plus ce qu'il a créé en tant que jeu vidéo, mais notamment quand il est devenu PDG de Nintendo, les deux premières consoles qu'il a sorties, c'est la Nintendo DS et la Wii, ce qui a quand même bien sorti. Nintendo, ça a été un gros carton, je pense encore inégalé à ce jour pour Nintendo. Bon, alors après, Sony a aussi des records de son côté avec la PS2. Les ventes de Wii pour les consoles de salon et de DS pour portable, ce sont des records pour Nintendo. C'est des records. Les deux, tout à fait. Voilà, donc effectivement, c'est un grand nom du jeu vidéo qui nous quitte et on se rend compte qu'on est bien peu de choses. Exactement. Joie. On va retourner vraiment au jeu vidéo pur et je pense que là aussi, Pierre-Marie, ça va te faire plaisir. C'est la suite de la saga Zero Escape qui a été annoncée donc après 999, après... Et après, comment il s'appelle le deuxième? Virtuous Last Reward. Merci. La suite, parce qu'apparemment c'est une trilogie, a été annoncée. Pour quand, je sais pas, mais en tout cas, ça doit te faire plaisir, PM. Oui, pas qu'à lui que ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir à Nico aussi. C'est ce que j'ai dit. Nicolas. Oui, effectivement, quand on. Donc, comme tu dis à la base. Tu peux rappeler ce que c'est comme. C'est des jeux de visual novel avec des énigmes. Mm. Donc voilà, c'est un genre très de scénarisé. Jeu où l'histoire est très importante en fait. Il va se passer plein de trucs. Je crois que c'était une émission grand public. Qu'est-ce que c'était que ça? 999. Non mais tu parlais du chiffre 9. Oui, 9. 999 en fait, ça se lit. Ah oui, c'est mieux comme ça. On va rester sur 999. Et donc, effectivement, c'était prévu pour être une trilogie. Donc les premiers épisodes, 999, est sorti sur DS et Virtuous Last Reward sur 3DS et PS Vita. Et en fait, quand on finit Virtuous Last Reward, on se pose plein de questions, il y a plein d'éléments qui restent sans réponse. On a envie de coder la suite, sauf qu'après la sortie de Virtue, le développeur nous avait dit voilà, on n'a pas assez de sous pour faire un troisième épisode, donc ça va être un peu mort. Quoi. Et finalement, ils le font, donc, ce qui est une très très bonne nouvelle. Qui sera aussi sur 3DS et PS Vita, me semble-t-il. C'est bien ça. Puis, d'ailleurs, au passage, on rigole, mais on salue tous nos amis allemands qui nous écoutent. J'adore les Allemands, j'adore Derek de Camille Combal. J'aime la choucroute. Oh. J'aime les Mercedes. Et Volkswagen, surtout. Volkswagen qui n'est pas du tout. Bref. On va revenir sur Square Enix, ses enfants qui lancent son propre Minecraft. Hein, ça a été annoncé cet été, c'est Dragon Quest. Pardon. Qui lance son propre Minecraft qui s'appelle Dragon Quest Builder, qui est Dragon Quest avec Minecraft Fogel. On enchaîne. Ouais, une sorte de Minecraft dans l'univers de Dragon Quest. Et ce sera en multi. J'en sais rien. Je m'en branle. Support, non, bon. Me faites chier. On en reparlera plus tard dans Game of Thrones. Exactement. Allez, nous, là, je pense que Pierre-Marie, tu vas réagir. C'est sur Fallout 4. Cet été, Fallout 4 a été critiqué sur ses graphismes jugés trop proches de l'épisode précédent.
Alors, c'est ce que. Donc, les premiers visuels de Fallout 4 sont sortis, et en fait, les joueurs ont trouvé que les graphismes. Alors, par graphisme, ils entendent plutôt le côté artistique du jeu, qui est trop proche de l'épisode précédent. Et il y a même le PDG de Bethesda, hein, donc les créateurs de Fallout, alors qui répond, moi, ça me fait toujours rigoler. Comme avec la plupart des formes de divertissement, vous ne mettez jamais tout le monde d'accord sur quoi que ce soit. Et donc, au bout du compte, que ce soit pour la qualité graphique ou pour le gameplay, que vous aimez ou pas, ou parce que vous préférez l'univers, ou quoi que ce soit, tout le monde a ses opinions. Alors moi j'ai jamais vu enfin j'ai rarement vu un bottage en touche aussi magnifique. Franchement là-dessus les moi en fait ce qui m'agace, je vais donner mon avis après je laisserai Pierre-Marie. Moi ce qui m'agace c'est que on dit les joueurs disent oui en gros Fallout 4 ressemble trop à je sais pas Fallout 3 ou Fallout New Vegas d'un point de vue visuel. Excusez-moi mais quand on fait des jeux dans la même saga qui sont totalement différents, vous dites que c'est de la merde. Alors, fermez vos gueules, quoi. Au bout d'un moment, faut savoir. Non, mais je vais revenir sur cette série. Il y a une série sur laquelle on leur crache à la gueule, c'est Final Fantasy. Mmh. Ils changent, à chacun de leurs épisodes, ils changent véritablement de gameplay, d'histoire, de scénario, d'univers. C'est, je veux dire, un FF13 n'a rien à voir avec le 15, qui n'a rien à voir avec le 7, qui n'a rien à voir avec le 8. Et donc, à chaque fois, c'est de la merde. De toute façon, voilà, Final Fantasy 16, je vous le dis, les critiques, ça sera de la merde. Et là, on a Fallout 3, Fallout 4, tout ça, machin. Et ben, on retrouve l'univers, tout ça. Et là, vous dites que c'est de la merde. Et par contre, c'est là où je comprends plus rien. C'est que la série Elder Scrolls, pour revenir à Bethesda, qui a quand même une patte visuelle qui est assez reconnaissable. Parce qu'on va pas me dire, c'est pas parce que Skyrim se passe dans la neige qu'il ressemble pas à Oblivion, quoi. Faut arrêter de déconner. Ça reste dans un univers Donjons et Dragons. Faut pas me la faire à moi. Là, vous dites plus rien. Là, il n'y a plus personne qui dit « Oh, ben, ça se ressemble trop ». Franchement, les joueurs sont chiants. Ils savent jamais ce qu'ils veulent. Ils sont gavants. Pierre-Marie. Alors, je suis d'accord avec toi sur le bottage en touche de c'est magnifique. Ça. Ça, c'est sûr. Mais derrière, c'est vrai que ce qu'ils ont surtout mis en avant sur Fallout 4, c'est le fait qu'il allait y avoir beaucoup d'innovations au niveau du gameplay. Tout le système de stats, le système on reste sur les graphismes. Voilà, non, mais justement, c'est tout ce qu'ils ont mis en avant, c'est justement cet aspect, les aspects gameplay. Et en fait, finalement, derrière, le graphisme n'est qu'un média vecteur de ce gameplay. Et je pense qu'au bout d'un moment, Bethesda avait le choix entre deux choses, parce que ils enchaînent les différents jeux entre The Elder Scrolls et Fallout. Et à un moment, ils avaient le choix entre justement faire un truc réellement similaire aux trois en termes de gameplay et tout changer au niveau graphisme, ou alors faire l'inverse, c'est ce qu'ils ont choisi de faire, c'est-à-dire garder des graphismes un peu similaires, même si je pense quand même que sur l'expérience de jeu, bon, on jugera sur pièce bien sûr, parce que ça sort le 10 novembre, hein. C'est dur, ouais, là c'est dur de juger avec les quelques trailers qu'on a vus, mm-hmm. mais je pense que voilà, les graphismes vont être secondaires, parce que sans être magnifiques, ils étaient déjà, je dirais, suffisants dans Fallout 3. Alors bien sûr, peut-être qu'il y en a qui veulent toujours plus, etc. Mais moi, quand je joue à un jeu comme Tomb Raider, par exemple, qui certes est super beau, mais où le gameplay, moi, je me suis fait chier comme un rat mort, bien sûr, je préfère autant avoir un monde ouvert où les graphismes, certes, ne vont pas être du niveau d'un jeu plus linéaire, mais où derrière, tu pourras faire plein de choses dans ce monde ouvert, tu pourras t'amuser comme tu veux. T'as totalement raison. C'est une chose peut-être, effectivement, à critiquer. Peut-être qu'on le critiquera là-dessus, mais moi je juge le jeu dans son ensemble et voilà, faut savoir ce qu'on veut après. Oui, cette phrase ne veut rien dire, mais je cherchais comment conclure. Fallout 4, un 10 novembre prochain, on en reparlera bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, les enfants de cet été, Pierre-Marie? Alors, moi, j'ai retenu un site de crowdfunding, Fig, qui a été créé par trois studios, dont Double Fine, le studio de Tim Schafer, notamment à l'origine de Psychonauts et justement d'un jeu en financement participatif qui était Broken Edge. Et voilà, donc il y a trois studios, Double Fine, Obsidian et Inxile, qui ont décidé de faire leur propre site de financement participatif. Pour le pitcher vite fait, c'est juste que les gens vont pouvoir mettre une somme en jeu, hein, c'est le cas de le dire. Ils vont mettre une certaine somme d'argent pour participer à un projet, pour que le jeu, un jeu ou même un livre ou autre chose puisse voir le jour. Et du coup, en contrepartie, si ça réussit, si le projet est mené à son terme, ils vont avoir, par exemple, juste un remerciement ou carrément une copie du jeu, mmh. une copie pour eux, plus une à distribuer aux voisins, divers goodies, etc. Et là, moi, ça m'a un peu chiffonné, cette news.
D'une part parce que le site de crowdfunding, il n'y aura pas que du financement participatif, ils proposeront aussi aux gens de devenir actionnaires, c'est-à-dire contre une certaine somme, tu auras une partie des profits que pourra générer le jeu. Donc là, tout de suite, on est plus dans un rapport à l'argent qu'à un rapport de création, et ça m'a un peu gêné. Et derrière, ce qui m'a aussi embêté, c'est que généralement, les sites de financement participatif, comme Kickstarter, Ulule ou Indiegogo, c'est des sites qui sont assez, ils sont assez indépendants par rapport aux studios, par rapport aux gros éditeurs et tout ça. Et là, ben, là, c'est plus vraiment indépendant, vu qu'il y a trois studios de jeux vidéo juste derrière, en train de faire le site. Donc ça m'a un peu... Je suis pas très enthousiaste voilà, à l'existence de ce site de crowdfunding, sachant qu'en plus Double Fine s'était un petit peu moqué de la tête des joueurs quand ils avaient fait leur jeu en financement participatif, parce que Broken Edge, ils nous ont fait un super acte 1, ils ont mis 3 plombes à sortir l'acte 2, et l'acte 2 était qu'une repompée de l'acte 1 un peu moins bien. Mais pour ça, écoutez notre émission sur Broken Edge, on vous l'explique très bien. Voilà. Je veux juste dire un truc pour les auditeurs, pour que ça reste aussi dans ces émissions. Je veux dire que Pierre-Marie n'est pas à côté de nous. En fait, il est dans la régie qui est séparée par un mur où il y a une vitre. Ça a l'air dangereux. Hein, et en fait, il a de la lumière et nous, en fait, les autres, on est en train de... Il n'y a pas de lumière du tout. Il n'y a plus de lumière, on est dans le noir total. Alors, moi, on ne voit pas. Et Pierre-Marie, j'ai l'impression que c'est un dieu, il a la lumière en train de lui. Depuis tout à l'heure, je bois ses paroles. Je dis, oui, c'est vraiment. C'est ce qu'il dit, c'est vraiment intelligent. En plus, moi d'habitude, c'est inverse. Je vous laisse dans la lumière et moi je me mets dans le noir. Oh, ça me permet d'être plus discret. J'en peux plus du coup depuis tout à l'heure. Je vois pas mes notes. Là, ça me fait trop bizarre. Quoi. Heureusement que c'est pas cette émission qu'on a décidé de filmer. Nicolas, qu'est-ce que t'as entendu cet été ? Cet été, en fait, on a entendu parler d'un projet d'adaptation en série animée de Castlevania. Donc du jeu vidéo Castlevania. Donc j'ai plus le nom de la personne, mais c'est le producteur du film Dread, donc un film basé sur le comics Judge Dread, qui a eu en projet de faire ça, une série d'animation basée sur l'histoire de Castlevania 3. Donc selon lui, ça serait un truc assez violent, assez sombre. C'est Adi Shankar. Voilà. Adi Shankar, un indien, je pense. Tout à fait. Et donc on n'a pas eu plus d'infos à ce sujet. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais bon. Ça pourrait être pas mal, enfin si c'est bien, si c'est, je cautionne pas du tout. Si c'est bien fait, ça pourrait être sympa. Je cautionne pas du tout. Oh mon dieu. Oh putain. Oui, vous êtes qui vous? Ok, ouais, Castlevania, super, c'est génial. On sent qu'il a été très attentif à la news. Ah putain. Bon, on a fait le tour de... Ah, Marc! Juste une, oui. Ah, je te vois. Après Mario Paper, il y a Yoshi Woolly World qui est sorti cet été, donc c'est Yoshi en laine. Jeu de plateforme original. Le meilleur pitch de toute l'histoire de la radio. Il y a Mario Maker qui est sorti. C'est... Je peux mourir tranquille. C'est Mario un Mario. Maker. C'est un Mario qui fabrique. C'est un Mario. Il est Yoshi en laine. Mais si, il y a eu un amiibo en laine de Yoshi d'ailleurs. Oui, qui était vendu avec la version collector. C'est la meilleure vente de l'année, ça. Chien. Mais bref. Oh, putain. Ah bah tiens, on va rester sur Marc. Ce serait dommage de ne pas rester sur moi. C'est l'heure du test de Act of Aggression, c'est tout de suite. De retour sur le plateau de Game Monitron, on va parler de Act of Aggression, qui est un jeu de stratégie en temps réel, qui est sorti le 2 septembre dernier. Voilà, 2 septembre. C'était donc, sur Steam, non, c'est ça? Alors c'est sur Steam et donc PC en fait. Joueur PC, voilà, c'est, Steam n'est qu'une filiale de Mythic. En fait. Alors Act of Aggression... On se comprend, c'est, hein, c'est une blague privée. Voilà, du studio français Eugène System. Oui, c'est français, ouais, j'ai vu ça. Édité par Focus Home Interactive. Donc sorti le 2 septembre, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas de STR qui était sorti. Le plus récent connu devait être StarCraft 2 et son extension, ouais. Voilà. Alors, il y en a peut-être deux, il n'y a pas Civilization 5 ou quelque chose si, comme ça. Si, mais STR, enfin je reviendrai dessus après, c'est pas tout à fait des STR de la pour gestion. Moi. On est plus dans la gestion que dans la stratégie en temps réel. Après, l'âge d'or du STR, c'était plutôt dans les années 95-2000 avec les Age of Empires de Ensemble Studio et Microsoft. Warcraft. Les Warcraft, donc les StarCraft qui étaient déjà présents. C'est vrai que Age of Empires,
ils ont jamais fait de Age of Empires 4. Non, ils sont passés à un jeu de gestion tout pourri. Age of Empires Online, voilà, qui a pas marché. Qui est un échec total. Ça, non, mais c'est vrai qu'on oublie, mais c'était une grande licence de Microsoft, du STR, de, comme tu dis, des années 95-2000. C'est, il y a eu les 3 Age of Empires, il y a eu les Age of Mythology. Voilà, donc ils sont allés jusqu'à 2006-2007. C'est vrai que les STR sont moins répandus, mais c'est vrai que quand vous avez des mastodontes comme StarCraft 2 qui bouffent quasiment tous les autres en termes de visibilité. C'est ça. Alors il y avait quand même Conkers aussi, d'Electronic Arts, ouais, mais qui ralentit aussi beaucoup. Il y a eu des épisodes jusqu'à 2009-2010. Mais bref, revenons à Act of Aggression. Voilà, donc Act of Aggression, c'est un peu la suite spirituelle de Act of War, par les mêmes créateurs, mais qui date quand même de 2005, le dernier volume. Donc stratégie en temps réel dit... très accessible et très dynamique comme jeu de stratégie, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, une partie peut être pliée, il peut y avoir 10 000 morts, ça va très vite. Il y a une petite gestion de l'économie, comme dans tous les jeux de stratégie en temps réel, sauf que là, on est plus sur la base de Command & Conquer, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire très simplifié. On n'a que 2 ressources et demie, je vais dire, à développer, et après, on construit tout de suite des bâtiments, des unités, donc... unités fantassins, donc c'est des hommes avec des mitraillettes, en gros, des snipers, et des chars. On a aussi des unités aériennes, des unités amphibies, parce que j'ai pas encore vu de bateau dans le jeu. Et enfin, des armes nucléaires dans les derniers levels. Mais bon, elles sont très dures à développer, mais une fois qu'on en a, tout le monde se sert que de ça, et la partie est très vite bouclée. Pour l'instant, de ce que j'ai vu du jeu, donc c'est, y a un petit scénario, mais qui n'a pas grand intérêt. C'est plutôt un petit didacticiel dans les 3-4 premières missions. Après, ça permet d'apprendre à jouer les 3 civilisations qui sont alors, le cartel, qui serait une Amérique latine futuriste basée sur la technologie et le capitalisme. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, parce que je ne sais même pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Il y a des Américains qui semblent un peu affaiblis, mais qui sont toujours présents. Une valeur sûre. Ouais. Et enfin, les chimères, qui seraient une sorte d'ONU européanisée avec la Chine en allié. C'est assez abstrait. C'est futuriste. C'est peut-être pour ça que ça explique toutes ces factions inconnues. Les nations manquent d'âme, quand même. Je trouve, au niveau notamment graphique, il n'y a pas trop de différence. Voilà, les 3 toutes factions les futuristes. Toutes les factions sont futuristes. Donc, même si elles ont des noms différents, la campagne, chacun a son scénario, ça manque un peu de tranchant, comme on a pu connaître dans les autres, comme en Conquer, par exemple. Ouais, où il y avait un bloc soviétique, un bloc terroriste et un bloc américain, par exemple. Ou même dans Warcraft. Voilà. Aussi, voilà. Donc, les gameplays sont très similaires. Ouais. Les chara-design, pareil. Donc, je pense que, si c'est le premier point faible à dire, c'est que les 3 factions se ressemblent énormément. Mmh. Après, l'accessibilité, le fait, donc, du coup, qu'un STR revient face à StarCraft 2, ça, c'est plutôt un point fort. Graphiquement, il est plutôt bien travaillé. On l'adapte selon la puissance de son PC. En termes de multijoueur, très accessible. Les règles sont peut-être un peu trop simples, on peut faire que des 2 contre 2 ou alors 4 contre 4. Il n'y a pas autant de variété que dans les Age of Empires à l'époque. Et bon, sinon, une communauté Steam et une communauté sur le jeu qui, bon, au moins qui le teste pour l'instant, je ne peux pas dire si ça va être durable. Donc pour moi, c'est juste un preview, ce n'est pas forcément un test complet, mais c'est surtout un coup de cœur par rapport à des jeux comme ça qui, pour moi, se font de plus en plus rares. Et de toute façon, il y en aura de moins en moins, peut-être un tous les 10 ans. Bon, je les attends bien sûr sur une extension ou un standalone prochainement. Mais ça t'a fait plaisir. Et toi, Antoine, du coup, Act of Aggression? J'ai bien aimé le jeu parce que j'ai battu Marc plusieurs fois en multi. ça permet de se mettre un peu en confiance. Non, je dirais que c'est un jeu d'une facture un peu classique à la Command & Conquer, quand même assez différent des StarCraft parce qu'il n'y a pas du tout de micro-gestion avec des personnages héroïques ou qu'il faut upgrader par exemple. On est vraiment dans un jeu classique. Gestion de ressources, tu construis ta base, tu attaques, tu récupères des ressources, tu contre-attaques. Ça marche bien. C'est simple et efficace. Je dirais que la campagne manque peut-être un peu de peps. J'ai pas encore vu, par exemple, comme dans les Command & Conquer, où il y avait des vrais acteurs qui faisaient les personnages de Staline, par exemple, tout ça. Voilà, bon, ils ont peut-être Gen System. C'est quand même un studio qui sait faire des bons STR. Et là, ils ont fait, je pense, un bon jeu. Voilà, comme disait Marc, attendons les prochains patchs. Alors après, contrairement à Electronic Arts, qui dans Alerte Rouge 3 avait mis David Hasselhoff dans ses cinématiques de fin comme président des États-Unis. Là, ils n'ont pas ces moyens-là, malheureusement. À voir par la suite, tu nous en parleras quand le jeu aura peut-être évolué, du coup. Oui, peut-être en 2 minutes, oui. On en parlera. Donc, Act of Aggression est sorti le 2 septembre prochain. On va ouvrir notre page japonaise, donc on va se mettre dans la peau des Japonais et on va suivre et on va s'envoler là-bas pour Tokyo pour parler rapidement du Tokyo Game Show. Eh
Allez, on reprend directement le Tokyo Game Show, donc qui s'est déroulé au mois de septembre, hein, fin septembre, avec une question. Hein, les enfants, je sens que Nicolas, il est chaud bouillant. Il bouillonne. Bah, avec la question que je vais vous poser à tous, le jeu vidéo japonais est-il vraiment de retour cette année? Ouais. Ok, merci. Non, c'est-à-dire que TGS, Sony nous a montré qu'ils en avaient dans le pantalon. Continue Nico, te laisse pas déconcentrer. Puisqu'ils nous ont fait une conférence assez exceptionnelle. Donc après nous avoir fait rêver à l'E3, ils ont remis ça lors du Tokyo Game Show. On a eu plein de titres, dont enfin Gravity Rush 2 qui a été officialisé, annoncé, prévu pour 2016. Ouais. Sur quelle plateforme ? Sur PS4. Donc je rappelle, Gravity Rush, c'était un jeu de la PS Vita sorti en 2012. Donc un des meilleurs jeux, si ce n'est peut-être le meilleur jeu de la console, tout simplement. Ouais. Et en fait, voilà, c'est un jeu où l'histoire, à la fin, on se posait plein de questions, il y avait plein de trucs qui restaient en suspens. Et le jeu avait été prévu pour être en plusieurs épisodes, au moins deux épisodes. Et donc, à la fin du premier, on n'a qu'une seule envie, c'est de connaître la suite. Et finalement, Sony a un peu laissé tomber la PS Vita. Pas qu'un peu. On Sony se disait, Gravity Rush, ça va être. On avait un peu peur. Après, ils ont montré vite fait une image du jeu, d'un Gravity Rush 2. Sans plus de précision, et là, la conférence de Sony, on a eu un trailer avec une date de sortie, enfin une année de sortie, donc 2016. On ne sait pas plus de précision, mais enfin, il est là, il arrive. Avec un portage du premier épisode, voilà. Hein, sur PS4, du coup, bah, pour des joueurs PS4, console même tout court, qui n'avaient pas de PS Vita, pour découvrir cette licence. Évidemment, on en reparlera, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur Gravity Rush. Jeu vidéo japonais est-il de retour cette année? Comment tu l'as ressenti, toi, Pierre-Marie, le Tokyo Game Show? J'ai pas senti une grosse claque dans la gueule. C'est vrai qu'il y avait des annonces sympathiques, il y avait des conférences sympas, mais de là à dire que le jeu vidéo japonais est de retour, enfin. Bon, je pense. Quand je dis de retour, c'est un peu mesquin, parce que quand t'as des blockbusters comme MGS5, c'est vient du Japon, tu dis bon, voilà, il y a plus grand chose à redire. Mais voilà, c'est vrai que le jeu vidéo japonais était un petit peu à la traîne sur l'ancienne génération, c'était rattrapé sur la fin, mais. Là, du coup, est-ce que les annonces du Tokyo Game Show te font, toi, penser que jeu vidéo japonais est de retour? Bah, pas à ce point, je dirais. Il y a eu, pour moi, la dernière E3, en fait, m'a beaucoup plus marqué en termes d'annonces de jeux vidéo japonais, et pas que japonais d'ailleurs. Mais en termes d'annonces, je trouve que la dernière E3 a été très forte. Et finalement, là, Tokyo Game Show, même si, effectivement, Gravity Rush, c'est une grosse annonce, et il y en a eu quelques autres. Rien pour me faire tomber de ma chaise, donc voilà, moi j'attends encore un peu. Je pense que c'est plus s'il y a un retour du jeu vidéo japonais, ce sera plus progressif. Ça marche. Moi, pour ma part, j'ai retenu quelques titres, avec notamment Star Ocean 5, hein, qui était jouable au Tokyo Game Show. Il y a de très bons retours des journalistes de là-bas. Star Ocean 5, c'est un jeu, voilà, où moi j'attends Star Ocean Till the End of Time, le troisième épisode. C'est un de mes jeux préférés de tous les temps, vraiment, sans faire de jeu de mots. Le 4 sur PS3 et 360 m'avait beaucoup déçu, et là le 5, ils veulent revenir à ce qui avait fait la force du 3, donc ça m'intéresse beaucoup. Gravity Rush 2, on a dit Persona 5, hein, qui a été montré au Tokyo Game Show avec un trailer, mais qui défonce sa race, mais repoussé à l'été 2016. Voilà, après c'est pas plus mal si pour voilà, pour le peaufiner, mais putain, ouais. ça va être un RPG qui va, je pense, nous fracasser la tronche. Une super annonce, 13 Sentinel Aegis Rim, le nouveau jeu de VanillaWare, les créateurs de Odin's Sphere, de Muramasa The Demon Blade et de Dragon's Crown. Les visuels du jeu sont à tomber par terre. Le trailer, techniquement, c'est toujours la 2D, hein, qui font, mais c'est un tableau vivant, c'est absolument magnifique. Ça, je l'attends, mais avec une grande impatience. BlazBlue Central Fiction, le quatrième BlazBlue, enfin, quatrième officiel, hein, qui devrait clôturer la saga scénaristique. C'est une des rares, très très rares séries de jeux de baston qui est très scénarisée, dont on attend la fin, la suite, tout ça. Limite, on attend plus la suite des épisodes pour le scénario que pour les ajustements du gameplay ou les nouveaux personnages. C'est pas le volume où ils ont mis toutes les extensions Non, c'est vraiment le prochain épisode avec des nouveaux personnages qu'on a vus dans l'histoire qui seront jouables. La PS Vita qui était aussi à l'honneur avec World of Final Fantasy et également le jeu Setsuna Yuki. Alors, je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'est un nouveau jeu de Square Enix, un RPG dessus. L'annonce de Dragon Quest Heroes 2 également. Au passage, on teste Dragon Quest Heroes tout court lundi prochain, hein, au passage. Alors, est-ce que le jeu vidéo japonais est de retour? Oui, enfin, pour moi, oui et non. Il y a des annonces qui m'ont fait très très plaisir. Juste revenir, ils ont Tecmo Koei a montré un jeu qui s'appelle Nioh,
qui était un jeu qui avait ils l'avaient montré pour la première fois en 2004, donc ouais, ça date qu'il y a un peu. Et là, donc le jeu, on pensait qu'il avait été oublié, bah paf, non, il revient, et c'est une espèce de beat'em all, hein, Japon médiéval, un peu style Onimusha. Et voilà, en fait, finalement, le jeu ressort après, réapparaît après 10 ans, quoi, après 10 ans. Exact. Bon, pour ma part, le jeu vidéo japonais n'est pas tout à fait revenu, parce qu'il faut avoir les jeux en main. Après, concrètement, c'est surtout ça qui porte l'intérêt. N'empêche que les licences m'ont fait beaucoup plaisir. Je trouvais que le Tokyo Game Show avait été monté très très haut et était retombé comme un soufflet. C'est-à-dire que passé la première journée, même la première demi-journée avec les annonces fracassantes, après, il n'y avait plus rien. Il ne s'est plus rien passé pendant Tokyo Game Show, ce que je trouvais très très dommage. Et évidemment, les très grands absents de Tokyo Game Show, c'est évidemment Final Fantasy XV et The Last Guardian, qui auraient dû être présents, parce qu'il est toujours prévu pour 2016. Lui, ça, là par contre, ça m'a fait grincer des dents qu'il ne le soit pas, vraiment, en tout cas, soit jouable, soit en cinématique, etc. Donc ça, c'est vraiment très 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 dommage. Si j'ai bien compris, on peut encore attendre 10 ans pour FF15. Ouais, facilement. Ah, c'est la méthode un peu de Tokyo Game Show. Quoi. C'est exactement ça. Allez, la rubrique qui revient des revenants. On avait arrêté de la faire parce qu'on s'est dit, tiens, ça va bien de changer, mais là, on va se faire plaisir. C'est le chiffre de la semaine. Hein, je rappelle le principe. Alors là, c'est par rapport à l'actualité de la semaine dernière, hein, les enfants. C'est un chiffre, je vous le donne. Vous devez trouver évidemment à quoi ça correspond. Le chiffre de la semaine, c'est tout de suite. Le chiffre de la semaine, c'est 50. Regarde ta fiche où je t'arrache la tête. Persona 60, j'y vois rien avec le noir. C'est le nombre de personnages dans le prochain Blaze Blue. Non. Persona 50. Non. Allez, 50, les enfants. Ça me dit quelque chose. Dites-moi. C'est un pourcentage. C'est pas un pourcentage. Ah, c'est Suda Goichi. Tu peux jouer, Antoine, aussi. Suda Goichi, il a perdu son Ichi. Non. C'est 50 millions, 50 000, 50... Non. 50-50 50-50. C'est 50. 50. Alors, 50 euros. Pas tout à fait. Ouais. 50 euros. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. 50 dollars. Ouais. Qu'est-ce que ça a coûté? Le prix d'un Pepsi en 2015. C'est ça? Non, c'est le prix d'un Pepsi en Fallout 4. Non, pas du tout. $50. 50 dollars, c'est bien ça. À quoi ça correspond? La baisse de prix de la PlayStation 4 aux États-Unis. Exactement, la PS4 aux États-Unis a baissé de $50. Bravo Pierre-Marie, elle est passée à 349,99. Mais j'aimais beaucoup le coup du Pepsi, Nico. Dollars, oui, c'est génial. Donc faut la porter. En gros. Non, mais la baisse va se faire en Europe aussi? Bah oui, quand? On est plus... Prochainement. Moi je l'attends. Ouais, moi, non, mais on l'attend. Donc bravo Pierre-Marie, 50. Donc elle baisse de $50. Donc c'est vrai que ça peut être bien, intéressant. Franchement, j'ai gagné une PS4. une console qui baisse. Espérons que pour chez nous, la fin d'année aussi, elle baisse également. De 5 euros. De 50 euros. Pour passer à 350 euros. Du coup, la Wii U devrait baisser aussi alors. Ouais, j'espère bien pour eux. De 50 millions de ventes. Il devrait bien donner la Wii U, franchement. Allez, et la rubrique que vous attendez pas, c'est qui en a un deuxième chiffre de la semaine. Wouhou. C'était ça la surprise. Je suis super déçu. Je croyais qu'il y avait Hideo Kojima, moi. Parce que j'explique tout aux auditeurs, c'est que je leur avais mis sur le programme qu'il y avait une deuxième rubrique après chiffre de la semaine. Les mecs, ils pensaient à un truc extraordinaire. Pour moi, la présence d'Antoine vaut toutes les surprises. Ça fait du sang frais, ça fait du sang frais sur le plateau. Je vois que mon billet de 50 euros est bien arrivé chez toi. Le deuxième chiffre de la semaine, alors c'est même le chiffre de l'été, on va voir si vous allez retrouver ça, c'est 13. C'est le nombre de jeux Mario en laine vendus. Mario en laine. Non, rien à voir. Ça date de cet été. Donc, Tu crois que je me rappelle les trucs de cet été? C'est pas très compliqué en soi, c'est pas très compliqué. Mais ça me dit quelque chose. C'est un 13ème jeu. Non, il est déjà. C'est un chiffre qui est pas dur à trouver, vraiment. C'est une date? Non. Une adaptation de la BD, 13? Non. Non. C'est 13 tout seul ou c'est 13 avec quelque chose derrière? 13 avec quelque chose derrière. Donc 13 millions. C'est 13 millions. Mais c'est une console ou un jeu. C'est des abonnés de FF14? Non. Ah non, ça ferait beaucoup. D'ailleurs, les abonnés. C'est par rapport à une console? Ouais, c'est 5 millions d'abonnés pour FF14. 13 millions qu'ont acheté la PS4 cet été? Non. Compris le PS4. C'est énorme. En un été, c'est énorme, 13 millions. Non. Depuis le début de l'année? Non, c'est l'été. Non. C'est lié à Sony? Non. Non. De précommande de MGS5? Non, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est lié à une console ou pas? Oui, je l'ai dit. Une console, ouais. Oui. Parce qu'il me parle de MGS5, donc... Je sais pas où est-ce qu'il est parti. 13 millions de Game Boy... Non, mais c'est très très simple, hein, en fait. C'est pas compliqué. Bah, c'est une des consoles qui a atteint le 13 millions de ventes. Oui. Mais laquelle? La Wii U? PS4?
Non. La Wii U, la Wii U. Non. La Xbox One. Oui, Xbox One. Il est mauvais. Ah, vous êtes magnifique, je vous adore. Non, mais je vous adore, vous êtes magnifique. Faut servir la de Game Gear, c'est un jeu pour bébé. Et ouais, la Xbox One a atteint les 13 millions de ventes cet été, donc ce qui la classe deuxième au niveau des classements des ventes de consoles derrière la PS4 et évidemment devant la Wii U, qui a dépassé les 10 millions de ventes, hein, la Wii U, malgré tout. Quelle surprise. Donc 13 millions de ventes pour Xbox One, avec un responsable marketing, je crois, ou le producteur, le directeur de la marque, qui a été assez franc quand même avec les consoles, disant que ouais, on avait perdu la confiance des joueurs. Par rapport, vous savez, aux communications de l'E3 2013, où il disait oui, vous pourrez pas prêter vos jeux, vous pourrez pas en acheter d'occasion, tout ça. Là, je pense que ça les a vraiment flingués, et du coup, bah, c'est vrai que Sony en a profité pour grappiller des ventes sur leur dos. Après, je pense que Halo 5 Guardians, qui arrive à la fin du mois, va... Allez, rattraper, je pense, pas mal de ventes quand même. Ouais. Ce qui est un peu triste, limite, pour Microsoft, c'est que malgré leur grosse annonce de dire que tous les anciens jeux Xbox 360 peuvent être activés sur la Xbox One, enfin, pas tous, mais une grosse partie, donc il y a une grosse rétrocompatibilité sur la Xbox One, ils arrivent quand même à moins vendre de jeux que sur la PS4, où finalement, il y a une rétrocompatibilité, mais payante, c'est-à-dire tous les bons jeux de la PS4, enfin, beaucoup de bons jeux de la PS4, ressortent en version remaster payante. Ouais. Et du coup, malgré ça, Xbox One est loin dans la course, donc Microsoft doit vraiment avoir les boules. Et en plus, on l'a vu avec les chiffres de vente de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, il y a environ un ratio de 75% des ventes qui se sont faites sur PS4 contre 25% sur Xbox. Ils doivent vraiment s'en mordre les doigts parce que là, il y a une vraie différence. C'est pas du 50-50, là on est plus sur du 75-25. C'est dur pour parce que c'est quand même un jeu multiplateforme. Là, je pense que c'est dur pour Microsoft. Alors, je demandais Nicolas, parce que logiquement, on aurait dû parler du DLC de Lord of Shadow, n'importe quoi. The Shovel Knight. Est-ce que ça t'ennuie si on en parle la semaine prochaine? Oh non, pas du tout. Histoire qu'on fasse les coups de gueule et les coups de cœur dans le meilleur. Mais des... pas du tout, hein, pas du tout. Bon, Pierre-Marie, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est vrai. Merci. Donc, bah, du coup, merci Nico. C'est l'heure des coups de gueule et des coups de cœur. Les coups de gueule et les coups... Bon, merde, il fait un AVC. Allez, les coups de gueule et les coups de cœur. Marc. Alors moi j'en ai un qui est très récent, c'est par rapport à la sortie des Lego Dimensions. Un coup de gueule ? Non, un coup de gueule, ouais. Ouais, fais gaffe. Par rapport aux Lego Dimensions, alors je sais pas si vous connaissez, c'est comme les Skylanders, c'est comme les Amiibo de Nintendo ou c'est comme les Disney Infinity, sauf que c'est la franchise Lego qui sort ça. C'est un jeu où on achète des figurines pour jouer. Voilà, où on peut acheter que les petites figurines qui offrent des DLC. Par exemple, je donne l'exemple pour Portal 2. Alors c'est plutôt un coup de gueule parce que le prix est complètement absurde et disproportionné en fait pour 3 petits morceaux de plastique et pour un petit contenu téléchargeable. Pourquoi c'est vendu combien? Je crois que la boîte de base est à 19,99€ ou 29,99€ et le gros pack est à 89€. Oui, effectivement. C'est les Skylanders, c'est moins cher des ouais, voilà, c'est vraiment le truc de luxe et pour pas grand chose. C'est cher quand même les Skylanders. Après, le pack de base, il est pas 89€, il est moins cher. Bon, c'est collector, non, parce que finalement, ils en sortent autant que les joueurs en veulent. Bien sûr, ouais. Et bon, après, je vous dirai si c'est bien quand j'irai en acheter une d'un point de vue qualité de la figurine, mais je pense que c'est juste un personnage Lego posé sur un socle. Non, mais c'est un peu dommage. Je peux rebondir juste sur Marc. Ouais. Ils avaient quand même calculé le total que ça coûterait si on prenait tous les Lego, add-ons, toutes les figurines Lego Dimensions de la sortie jusqu'à dans quelques mois quand ils auront tout sorti. Ça fait un total de 334 $ et quelques centimes. Donc voilà, ça revient à un gros prix assez prohibitif. C'est déjà pas mal. D'autres coups de gueule? On en a déjà parlé au début de l'émission. Là, c'est Square Enix qui n'arrive pas à nous donner de date pour FF15, dire voilà, ils sortent tant et puis c'est bon, on n'en parle plus. Maintenant, on traverse la gueule. C'est... Parce qu'ils en savent rien. Non, ici, ils le savent en plus, ou alors ils font croire qu'ils le savent, bon, dans ce cas c'est débile, mais enfin voilà. Ils donnent une date et puis c'est bon, quoi, tout le monde est content. Mais... Non, mais je suis d'accord, là, c'est clair, beaucoup c'est énervant. Pierre-Marie, coup de gueule? Non, moi j'ai pas de coup de gueule. Monsieur, c'est un popolse. Mon psychologue m'a dit qu'il fallait que je. Mon psychiatre m'a dit qu'il fallait que j'arrête de m'énerver, donc j'ai pas de coup de gueule. Putain. Merde, la chatte. coup de gueule pour ma part, j'en avais un, je l'ai mangé. Ah bah, je l'ai mangé, ouais, c'est ça, je le recrachais. Non, j'avais pas de coup de gueule.
gueule. Si j'avais un coup de gueule, mais je me rappelle plus ce que c'est. J'ai juste un petit truc. Coup de gueule, tout récemment, voilà, d'avoir lancé ma PS4 et de voir que j'avais une mise à jour de 17 gigas à faire pour The Witcher 3. Moi, je trouve ça complètement débile, ces mises à jour qui... Mais c'est le jeu, alors. C'est pas contre la console. Voilà, ouais, c'est plus contre le jeu. La console n'y est pour rien. C'est mises à jour qui te font genre 15, 20 gigas. Mais moi, je trouve il faut au moins 8 heures pour la télécharger. Et tu n'as pas une version 1 TO. Non, j'ai une version 500 gigas. Je trouve ça débile, toutes ces mises à jour qui n'en plus finissent plus. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais qu'est-ce que vous laissez l'air d'aujourd'hui. Écoute de cœur. Moi, gros coup de cœur pour MGS5. Je t'ai dit, je t'ai dansé la parole. Parce que j'ai envie de parler. Gros coup de cœur pour MGS5. Donc, j'y joue encore en ce moment. Je fais les missions secondaires, il y en a des tas et elles sont toutes. Je décroche pas de ce jeu, quoi. Je m'éclate avec. Voilà, l'histoire était géniale. Je me suis. Pour moi, c'est vraiment un bijou comme on n'en verra peut-être plus avant. Avant l'année prochaine, carrément. Gros coup de cœur pour Alexandre Astier, puisque avec PM, nous sommes allés voir l'exoconférence hier après-midi. Hier au Zénith de Clermont. Oui, tout à fait. Donc, c'est un spectacle dans lequel Alexandre Astier nous démontre s'il y a de la vie extraterrestre ou pas. Donc, c'est à la fois instructif, humoristique. Donc, c'était vraiment un spectacle génial. On s'ennuie jamais. Avec une mise en scène exceptionnelle. Beaucoup de talent, ce mec. Donc, Alexandre Astier, si tu nous écoutes, je t'adore. Mais je sais que tu nous écoutes pas, donc... Attends, ça, qui sait je vais juste rebondir toi sur MGS5, effectivement, moi aussi, c'est mon jeu de l'année et c'est un vrai coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Et en fait, ce qui me fait plaisir, alors peut-être trouver ça bizarre, c'est que ce jeu a divisé les fans complètement. Il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui ont vraiment adoré, et moi, ça me rassure parce que c'est vrai que les jeux qui mettent tout le monde d'accord, généralement, moi, je les aime pas, ces jeux-là. Ocarina of Time. ouais, non, mais par exemple, non, mais il y a même des jeux populaires d'aujourd'hui que tout le monde aime, moi, j'aime pas. Ces jeux où tout le monde se met d'accord. Et là, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est justement dans les qualités et les défauts d'un jeu qu'on trouve toute la perfection et ses imperfections. C'est ça qui me plaît, qui me plaît énormément dans MGS5 et ce qui me rassure sur mon avis. Et effectivement, c'est mon coup de cœur, ce que j'ai vraiment adoré, la dernière aventure de Big Boss et de Hideo Kojima pour le jeu, évidemment. Et j'ai un autre coup de cœur très rapide, c'est pour Project Zero 2 sur Wii. C'était une réédition qu'ils avaient fait du Project Zero 2 qui était sorti sur PS2. Il est pas sorti, il date pas d'hier. Ouais, ça date pas d'hier, mais je t'emmerde, j'ai qu'à foutre en ce moment. Et c'était vraiment très très sympa. J'en parlerai peut-être un jour, parce que Project Zero, c'est une saga dont on n'a jamais vraiment parlé. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode qui sort sur Wii U, qui est sorti au Japon, je crois, même déjà. Oui, qui est sorti au Japon, qui arrive sur Wii U chez nous en France dans pas longtemps. Là. Effectivement, on en reparlera peut-être Project Zero de la Sega. Pierre-Marie, écoute de cœur. Oui, alors j'en ai plusieurs. Bon, alors aussi Alexandre Astier pour l'exoconférence, hein, ce super spectacle. S'il passe près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir s'il reste des places. Très bon spectacle, très, très intelligent, quoi. On rigole beaucoup et on apprend beaucoup aussi. Donc vraiment à conseiller et très, très différent de ce qu'il avait fait avant, très différent de Camelot, et de Que ma joie demeure. Donc voilà, un très bon moment. Ensuite, ça a été aussi la rentrée des séries US. Alors vous traiterez peut-être plus tard de la rentrée des séries manga, mais moi je regarde beaucoup de séries US et je trouve que cette rentrée, on a été gâtés entre plusieurs nouvelles séries et certaines qui reprennent, mais en grande pompe. Mais pour moi, la palme, ça va à Scream Queens, un slasher complètement barré sur un campus universitaire. Hein. Slasher, c'est comme les Scream ou les Vendredi 13, hein, où tout le monde meurt et on ne sait pas à qui est le tueur, sauf à la fin. Et voilà, c'est par les créateurs de Nip Tuck et American Horror Story. J'ai jamais autant ri devant des gens qui se font étriper. Et enfin, un gros coup de cœur aussi récemment, c'est GTA V. Je m'y suis mis longtemps après tout le monde, déjà parce que je joue sur PC et aussi parce que j'avais autre chose à faire jusqu'à maintenant. Et en fait, je comprends pourquoi GTA V a eu de très bonnes critiques. C'est vrai qu'il est très bon, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Ça aurait pu être de manière rétroactive le jeu de l'année 2013. Mais bon, en 2013, il y avait The Last of Us et aucun jeu ne bat The Last of Us en jeu de l'année. Okay. Surtout que là, tu joues en 4K okay. Et j'imagine en 2013, il n'était pas aussi beau sur console. Je pense, ouais, sur... Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est ça, c'est pas fini. C'est ça. Et sinon, les enfants, mon plus gros coup de cœur, c'est vous et le début de cette nouvelle saison que je trouve vraiment formidable. Merci à vous tous d'être là. La musique de la semaine, Nicolas, donc, c'est quoi? C'est un thème de The Witcher 3. Qui s'appelle donc, en fait, c'est, qui s'appelle 17 gigas. Non, qui s'appelle Lady of the Woods. Donc, j'ai deux mots sur le thème. En fait, dans The Witcher 3, au moins, on doit aller rencontrer trois sorcières qui vivent dans un marécage. Et
elles sont vraiment super flippantes, c'est-à-dire qu'elles ont dans leur design et tout ça, elles sont, il y a vraiment un côté ouais, malsain. Là, c'est 17 gigas de mots. Là, et la musique renforce le côté malsain de ces trois personnages. Et c'est une des musiques, c'est vraiment la musique de The Witcher 3 qui m'a marqué, que j'ai retenu en tête après, même quand je jouais plus en fait. Ah, parce qu'il n'y en aura pas non plus des centaines, des milliers. La musique de la semaine, donc c'est Nicolas pour The Witcher 3. Merci Nicolas, merci Marc, merci Pierre-Marie, merci à toi Antoine également. Merci, merci à tous Mathieu. Ceux qui nous ont merci écoutés. Mathieu. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain. On parlera donc du DLC de Shovel Knight, on parlera de Dragon Quest Heroes et certainement autre chose, mais j'ai toujours pas décidé ce que ce serait. Voilà, merci à tous. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Ciao. Salut. Bouillou.